Bonjour et bienvenue en ce mercredi de la quatrième semaine du temps pascal. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Récitons le psaume 42. Rends-moi justice, ô Rends mon Dieu, Dieu. défends Défend ma, ma cause contre un peuple, un peuple sans foi. De l'homme qui, qui ruse et trahit, trahi libère-moi. C'est toi, Dieu, ma, ma forteresse. Pourquoi, Pourquoi me rejeter Pourquoi, Pourquoi vais-je assombrir, pressé par, par l'ennemi Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Seigneur mon Dieu. Pourquoi te désoler ô mon âme et gémir sur moi Espère en Dieu, de nouveau je rendrai grâce, il est mon sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, il, il a fait, fait le ciel, ciel et, et la terre. Tournons-nous vers Dieu et implorons sa miséricorde. Je, je confesse, confesse à Dieu tout-puissant, je, je reconnais devant vous, vous frères et sœurs, et sœurs que, que j'ai péché têché, en pensée, en parole, par, par action et par, et par omission. omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie, je supplie la, bienheureuse la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et, et, les et, saints, et vous, vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur, Seigneur notre Dieu. Dieu, tournez-vous vers nous et donnez-nous la vie, votre, votre peuple, peuple se réjouira, réjouira en vous. vous. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde. Accordez-nous votre salut. Seigneur, écoutez ma prière. Que, que mon, appel mon appel parvienne jusqu'à vous. vous. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, je proclamerai ton nom devant mes frères. Alléluia. Seigneur, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié. Au Christ, ayez pitié. Au Christ, ayez pitié. Au Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié. Prions. Seigneur Dieu. Tu es la vie de tes fidèles, la gloire des humbles et le bonheur des justes. Dans ta bienveillance, écoute ceux qui te prient, ils ont soif des biens que tu promets. Comble-les toujours de l'abondance de ta grâce, par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des actes des apôtres. En ces jours-là, la parole de Dieu était féconde et se multipliait. Barnabé et Saul, une fois leur service accompli en faveur de Jérusalem, s'en retournèrent à Antioche, en prenant avec eux Jean, surnommé Marc. Or il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, compagnon d'enfance d'Hérode le Tétrarque, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit-Saint leur dit. Mettez à part pour moi Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, s'embarquèrent pour Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean-Marc comme auxiliaire. Parole du Seigneur, nous, nous rendons, rendons grâce à, à Dieu. Dieu. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que, que Dieu nous prenne nous en grâce, grâce et nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous, et, et ton chemin, chemin sera, sera connu sur, sur la terre. terre. Ton salut parmi toutes les nations. Que les nations chantent leur joie car tu gouvernes le monde avec justice. Tu, tu gouvernes les, les peuples avec droiture, sur la terre, terre tu, conduis tu conduis les nations. Les nations. La, la terre a donné son fruit, Dieu, Dieu notre Dieu, Dieu nous, nous bénit, Que Dieu nous, nous bénisse et que, et que la que terre tout entière l'adore. Que, que les, les peuples, peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Alléluia, alléluia, alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, alléluia. alléluia. Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean. Gloire, Gloire à toi, toi Seigneur. Seigneur. En ce temps-là. Jésus s'écria, Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé, et celui qui me voit voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura, pour le juger, la parole que j'ai prononcée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé, le Père lui-même, qui m'a envoyé, m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer, et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je déclare, je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, à toi Seigneur, Seigneur Jésus. Jésus. Chers amis, aujourd'hui en ce mercredi de la quatrième semaine pascale, dans l'évangile selon Jean, nous trouvons Jésus qui s'adresse à la foule peu de temps avant sa crucifixion. Ces paroles de Jésus sont pleines de profondeur et de révélation. Dans ces paroles, Jésus révèle clairement sa relation avec son Père céleste et l'objectif de sa venue dans le monde. Il affirme que croire en lui, c'est croire en celui qui l'a envoyé, en Dieu lui-même. En Jésus, la lumière du monde, nous trouvons le chemin de la vérité et de la vie éternelle. Celui qui croit en lui est libéré des ténèbres du péché et de la mort. Jésus insiste sur le fait qu'il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Son message est un message de salut et d'amour, offert à tous ceux qui acceptent de l'entendre et de le recevoir. Cependant, ceux qui rejettent ses paroles se jugent eux-mêmes, car ils refusent la lumière qui conduit à la vie éternelle. Enfin, Jésus déclare qu'il parle selon les commandements de son Père céleste. Ces paroles sont la vérité même, elles sont la vie éternelle pour ceux qui les reçoivent avec foi. En les écoutant et en les mettant en pratique, nous découvrons le chemin vers la communion avec Dieu et la plénitude de sa grâce. En méditant sur ce passage, que notre foi en Jésus-Christ soit renforcée. Puissions-nous croire en lui, le Fils de Dieu envoyé pour notre salut, et marcher dans la lumière de sa vérité. Que nos vies reflètent la grâce et l'amour de Celui qui nous a aimés jusqu'à donner Sa vie pour nous. Que Dieu nous accorde la grâce de croire en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, et de vivre selon Ses paroles, maintenant et pour toujours. Amen. Offrons nos louanges à Dieu. À, à toi, toi Dieu, Dieu notre, notre louange, louange nous, nous t'acclamons, tu es Seigneur. Seigneur. À, à toi, Père, Père éternel, l'hymne de, de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux, ils te rendent grâce. Ils adorent et ils chantent. Saint, 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 saint le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. au plus haut des cieux. Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur. au plus haut des cieux. C'est toi que les apôtres glorifient. Toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs, c'est toi que par le monde entier l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons, Père infiniment saint, Fils éternel et bien-aimé, Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire, tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père, tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur et l'ami des hommes sauvés par ton sang, prends-les avec tous les saints dans ta joie et dans ta lumière. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage. Dirige les tiens et conduis les justes dans l'éternité. Chaque jour nous te bénissons et nous louons ton nom à jamais et dans les siècles des siècles daigne Seigneur en ce nous jour nous garder de, de tout, tout péché et pitié de nous Seigneur et pitié de nous Seigneur, pitié de que nous. ta miséricorde soit sur nous Seigneur car nous avons mis en toi notre espérance en, en toi Seigneur, Seigneur j'ai mis mon espérance, espérance que, que je, je ne sois jamais, jamais confondu. confondu comme Jésus nous a enseigné et selon son commandement nous récitons notre père qui es aux cieux que, que votre nom soit sanctifié que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et, et avec, avec votre, votre esprit. esprit. Bénissons le Seigneur, nous, nous rendons, rendons grâce à, à Dieu. Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant fasse resplendir sur vous son visage, vous accorde sa bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Commencement de l'Évangile, selon Saint Jean. Gloire à toi Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Tournons-nous vers Marie pour qu'elle intercède pour nous dans les cieux. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilée, nous crions vers vous. Vers, vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô oh vous, notre avocate, tournez vers nous votre regard miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô oh clémente, ô oh miséricordieuse, ô oh douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin, afin que nous, nous soyons rendus, rendus dignes des, des promesses du Christ. Christ. Prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force, jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers vous. Et par l'intercession de la glorieuse et Immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, et de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, écoutez avec bienveillance et miséricorde les prières que nous vous adressons pour la conversion des pécheurs, et pour la liberté et le triomphe de notre sainte Mère l'Église, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié, pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré cœur, cœur de, de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Merci d'avoir prié avec nous. Visitez notre chaîne YouTube pour plus de vidéos. N'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner et d'activer les notifications pour être informé des nouvelles vidéos. Visitez notre site Web pour d'autres renseignements. Allez maintenant porter la bonne nouvelle au monde.